bienvenue sur la chaîne Crew Life. Bonjour Véronique, donc je suis heureuse aujourd'hui de vous proposer une pizza crue. Donc on va y aller, on va commencer. Il y a beaucoup de travail, donc c'est compliqué, mais il faut aussi travailler. Une des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est déjà commencer par préparer votre pizza. Donc le résultat final, c'est quelque chose qui s'apparente à cela. Donc vraiment une pâte à pizza. Et la texture, c'est vraiment intéressant. Donc moi, j'aime beaucoup cette recette-là. Bon, après, il y en a plein d'autres. Mais il faut un blender. Et vous commencez par mixer du lin blanc avec de l'épeautre. Hop. Vous avez fait germer la veille, donc avant de le fabriquer. Donc en fait, il faut commencer 2 jours avant. L'épeautre complet. Ensuite, on les mixe dans le blender et on ajoute une demi-tasse d'eau, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile, et voilà. Et en fait, vous mettez une tasse d'épeautre et une tasse de graines, une tasse et demie de lin. Ceci. Voilà. Hop, alors. Une fois que votre blender vous a fait une jolie pâte, il vous suffit de vous munir d'une petite palette comme ceci. Hop, j'essaie de vous sortir tous les éléments. Je ne vous l'ai pas refait parce que je ne trouve pas très intéressant de voir la préparation en blender. C'est pas compliqué, hein. Vous avez juste à mixer les graines et ensuite ajouter les autres éléments et vous avez une pâte vraiment qui ressemble à une pâte à pizza. Donc, vous la mettez sur une feuille Teflex et dessous, vous mettez une grille comme ceci de votre déshydrateur. Et après, il vous suffit d'étaler tout simplement votre pâte. Tout simplement. Donc, elle est assez liquide, donc c'est facile. Vous pouvez la modeler un peu comme vous voulez. Moi, celle-ci, j'étais un peu prise par le temps. Donc, vous voyez, les bords ne sont pas extraordinaires parce que je l'ai faite rapidement et plus sèche. Donc, on voit, elle aurait mérité d'être plus harmonieuse. Mais c'est pas grave, elle sera bonne quand même. Et puis, au lieu de vous montrer comment étaler une pâte liquide, j'ai préféré vous montrer le résultat final. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc voilà. Une fois que vous avez votre pâte qui est faite, donc la déshydratation, c'est à peu près 12 heures. Donc ça correspond, alors c'est à peu près parce que c'est en fonction de la puissance et de votre déshydrateur. Donc, en gros, 12 heures. Moi, je sais que je la mets la nuit et en général, le matin, c'est tout parfait. Ça se passe bien. Donc, je prépare, en général, le matin, je fais tremper mes graines voilà, toute la journée. Et puis, le soir, en fin de journée, je prépare ma pâte, je l'étale, hop, je l'enfourne 12 heures. Et le matin, quand je me lève, c'est prêt. Et vous n'avez plus qu'à faire les autres éléments. Donc, il y a tout un tas de petites autres choses à faire. Donc, quand vous avez préparé votre pâte, il faut faire mariner différents éléments. Alors, il faut faire mariner des champignons. Donc, vous partez de champignons crus que vous passez à la mandoline. Vous les faites tremper toute la nuit dans du tamari à l'ail. Et vous faites la même chose avec un oignon. Donc, ça, c'est un oignon un oignon de cette taille, donc un oignon moyen, un oignon jaune. Vous le passez à la mandoline. Et pareil, vous le faites mariner avec, comme les champignons, dans le tamari à l'ail. Et le lendemain matin, vous le passez au déshydrateur. Donc, même principe, vous prenez une grille, vous mettez une feuille Teflex et vous mettez vos champignons qui ont mariné. Dès qu'ils commencent à s'assécher, vous les passez sur la grille, d'accord ? De façon à ce qu'ils soient juste... là, quand on les touche, on jurerait des champignons cuits. Ils sont moelleux, ils sont légèrement encore humides, mais franchement, à s'y méprendre, voilà. Donc, une fois qu'on a fait sur la Teflex, on passe sur la grille, d'accord ? Pareil, les oignons, vous voyez, ils sont moelleux. Ils sont tout moelleux, hop, comme des champignons, des oignons qui ont été marinés. Voilà. Comme ça, on les retrouvera tout à l'heure.
Et vous passez à la mandoline, du poivron. Donc là, je l'ai pris orange. Bon, c'est juste pour faire une jolie pizza. Vous pouvez le prendre rouge, vous pouvez le prendre jaune, à votre convenance. Hein, pas vert. Le poivron vert, il est pas mûr. Donc, on évite de consommer des produits qui ne sont pas arrivés à maturité. C'est indigeste. D'accord ? Donc là, c'est pareil. On les met au déshydrateur à peu près 12 heures. Vous pouvez mettre en même temps que la pâte. C'est parfait. Hein ? Donc, après, à vous de vous organiser au niveau du timing. Moi, en général, je fais tout en même temps. Les oignons, les champignons et la pâte et les poivrons. Voilà. Maintenant, il faut nous faire deux sauces. La première, c'est la sauce tomate. Donc, je vais essayer mon blender. J'ai eu des soucis avec. Donc, comme ça, je vais voir s'il marche. Donc, pour faire notre sauce pour la pizza. Donc, si vous aimez une sauce classique, je vais vous donner la version classique aujourd'hui. Mais après, vous pouvez la faire avec un petit peu de piment. C'est sympa aussi. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous aimez. Donc, la première des choses, il vous faut des tomates déshydratées. Tout ce qui est déshydraté, personnellement, je trouve que c'est sec. Donc, j'aide mon blender. Je coupe. Parce qu'il faut... En fait, la tomate déshydratée va venir absorber l'humidité de vos tomates. Donc, pour vous faire quelque chose qui ait le même aspect et le même goût qu'une sauce tomate qui aurait réduit à feu doux pendant des heures. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on met de la tomate séchée. Donc, il ne faut pas qu'on ait de morceaux. Il faut que ce soit bien homogénéisé, que ce soit une belle sauce bien onctueuse. Donc, voilà, on a le droit d'aider notre matériel. D'autant plus qu'il a eu un coup de chaud avec ma pâte, vu que je l'ai fait plus épaisse que d'habitude pour que le temps de déshydratation soit plus court. Il n'a pas aimé. Tac. Bon, j'aurais pu le faire avant. Mais au moins, vous savez. Hop. Donc, j'ai dit hein, 60 grammes. Après, il faudra ajouter une tomate de taille moyenne. Donc, moi, j'avais des tomates italiennes. Donc, j'en ai mis deux. Si c'est trop, on verra. Hop, voilà. Après, vous ajoutez, bon, vous pouvez le mettre tout de suite, du sel. Là, j'ai mis une cuillère à café, c'est de l'origan frais. J'ai la chance d'en avoir sur mon balcon. Alors, ça, c'est une gousse d'ail qui a confit dans le tamari qui s'est affinée pendant plusieurs mois. J'en avais une, en fait, au moment où j'ai fait ma marinade, elle est tombée dedans. Donc, je l'ai conservée. Normalement, je prévois de mettre une gousse d'ail classique. Mais là, c'est l'opportunité. Elle est délicieuse et elle est condensée au niveau des saveurs. Elle sera remplie de probiotiques. Donc, c'est intéressant. J'ai mis quelques feuilles de basilic parce que j'en avais. Et du thym. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout pour la sauce tomate, normalement. Donc, hop, on y va. On va passer au blender. Et on va voir ce que ça donne. Pas branché. Si, il est branché. Et ben, il ne marche plus alors, s'il est branché. Mais ce qui ne m'étonne pas, parce que. Ouais. Et ben, il est mort. Bon, ben, ça c'est fait. Alors, on va voir si le petit blender Lidl va s'en sortir. Sinon, on en sortira un autre. Bon, du coup, on va l'aider, hein, le coco. Ça dit, hop, il est petit, il n'est pas cher. Et ben, vous allez voir qu'il rend bien des services. La preuve, aujourd'hui même. Hop. Voyons ce qu'il arrive à nous faire, ce petit bijou. J'aurais dû mettre les tomates en bas.
Alors, voyons à quoi ça ressemble, cette histoire. Bah, décidément, c'est ma journée, hein. Restons zen. Alors, à la vue de tout cela, on va rajouter de l'huile d'olive. Hop. On va mettre déjà une cuillère, voir ce que ça donne. Parce que là, en fait, la consistance, elle est trop. Ce serait idéal pour une bolognaise. Mais là, on veut une sauce à pizza. C'est pas tout à fait la même chose au niveau de la consistance. Alors, je vais essayer de limiter les pertes pour pas gaspiller. Hop. Et puis aussi pour en avoir assez, parce que du coup, après, je vais manquer de sauce. Alors. Hop, on va rajouter, on va essayer de ne pas recommencer la connerie. Voilà. On va rajouter la tomate. Parce que c'est pas assez. Donc on va remettre une petite tomate. La particularité des tomates italiennes, c'est qu'elles ont très peu de jus. Donc elles sont souvent utilisées pour les sauces pour qu'elles ne soient pas trop liquides en fait. Donc c'est pour ça déjà que j'en avais mis deux, parce que ce n'était pas très grosse. Vous voyez, en fait, elles sont. Il n'y a rien dedans, quoi. Donc une tomate classique, ça vaut bien, il faut bien trois tomates italiennes, hein. Donc voilà. Allez, on y va. Eh bien, ça chante. Allez. On va remettre une deuxième. Par contre, elles sont super bonnes. On va remettre une deuxième cuillère d'huile et elle devrait être parfaite. Une petite cuillère d'huile. Hop. Oui, il faut l'aider, le blender, mais il fait le job. C'est sûr que c'est. Vous ne pouvez pas avoir la puissance d'un gros blender, d'un. Sans citer de marque, mais bon. Mais je trouve que c'est bien pratique. Et voilà, votre tomate, votre sauce tomate est faite. Elle est top. Alors après, si vous aimez les choses épicées, vous pouvez rajouter du poivre, du piment à votre convenance. Là, en l'occurrence, il y a des enfants qui vont en manger. Donc, on va la faire tranquille. Hop. Bon, c'est sûr que pour moi, elle manquerait de piquant. Voilà. Donc, pour notre sauce tomate, c'est fait. Alors, on va voir s'il fait le job une deuxième fois, notre petit robot. Là, il a un peu plus de boulot, alors on va lui faire le job en deux fois. On va préparer la sauce fromagère. Alors, si je perds mes éléments, ça va pas être bon. Donc, ce sont des noix de cajou crues. D'accord? On en trouve très peu. Elles ont été triées à la main. Elles sont juste délicieuses. Vous les faites tremper une nuit entière. Donc pour les réactiver, vous avez donc le petit germe qui sort. Donc vous avez donc des noix de cajou ultra vivantes. Les noix de cajou que vous achetez dans le commerce non réactivées. Elles,
elles sont pas intéressantes sur un plan nutritionnel, très clairement. Donc voilà, ça n'engage que moi, mais je vous le dis, si vous n'avez pas des noix de cajou crues, n'en consommez pas. Là, c'est une cuillère à soupe de lactofermentation. Si vous n'en avez pas, vous mettez du citron à la place, d'accord ? Une cuillère à soupe de citron. Hop ! Et là, c'est un quart d'eau. Donc, vous avez une cup entière de noix de cajou et un quart de cup d'eau. Et deux cuillères à soupe de levure maltée. Et je rince mon truc. Hop ! Donc, vous avez vu, je n'ai pas mis l'intégralité des noix de cajou pour aider le blender. Hop. Donc, ça va être un peu liquide normalement, si tout va bien. Et puis, on rajoutera la suite après. Moi, je dis qu'il bosse super bien, ce petit kiki là. Donc, si vous n'avez pas de noix de cajou crues, vous prenez des graines de tournesol. Ça fera le job, d'accord ? Et surtout, au niveau nutritionnel, au moins, c'est juste parfait pour l'organisme. Les noix de cajou, en fait, autour, il y a comme une espèce de caoutchouc. Donc, ils ne s'embêtent pas hein, quand ils vous vendent des noix de cajou bio. C'est des noix qui ont été ébouillantées. Donc, elles sont tout sauf crues. Hein, tout sauf, vous pouvez bien les faire tremper après. Elles ne vont pas sortir un germe. Hein. Alors, partout, vous en trouvez sur les recettes. On oublie de vous dire, enfin, ou même les gens ne le savent pas carrément, qu'il faut utiliser des noix de cajou crues. Sinon, elles ne sont pas bonnes. Hein. Donc là, il faut qu'elles soient onctueuses. Hein, donc, il faut prendre le temps que ça se mélange tout bien comme il faut. Si vous avez des petits morceaux, ce n'est pas terrible. Hein, c'est censé être une crème au fromage. Donc on l'aide. On fait descendre la matière. Hop. Elle va revenir tout doucement. Hop, bon, allez, on va faire avec. Hein. Ou pas. Non, je vais rajouter de l'eau. Ça ne me convient pas du tout, en fait. Hop. Ouais, non. Ce sera mieux plus liquide. C'est bien meilleur. Donc là, je rajoute, respectez bien, vous, les proportions. Moi, là, c'est parce que mon blender n'est pas assez puissant. Donc, il faut l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, en rendant la pâte beaucoup plus fluide, c'est plus simple, tout simplement. Hop. Là, cette fois, ça ressemble à une crème. Ouais. Ça sent hyper bon. Donc ça, c'est vraiment un délice. Vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes. C'est très gourmand, vraiment. Moi, j'adore. Bon, d'accord, c'est pas light du tout. Mais si elles sont crues, c'est digeste. Si par contre, vous prenez des noix de cajou, même bio, je le redis, hein, qui sont cuites, et ben, votre digestion est cuite. Hop. Voilà. Et ben maintenant, c'est tout simple. On n'a plus qu'à monter. Donc, pour votre pizza. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la pâte ? Hop ! Allez, on met ça au centre. Eh bien, vous mettez votre sauce tomate. Donc là, elle est top parce qu'elle n'est pas du tout liquide et elle ne va pas rendre d'eau. Donc, elle ne va pas du tout abîmer votre pâte. Faites attention, si elle tranche quand vous la préparez, préparez-la d'ailleurs en premier, comme ça vous allez tout de suite voir. Si vous voyez du liquide qui se désolidarise de votre préparation, vous sortez une passoire et vous égouttez votre préparation parce que sinon, ça va être un carnage. Un simple, voyez, bon là elle est grosse, mais une petite passoire comme ça c'est idéal.
Là, vous arrivez à récupérer, à faire sortir tous les liquides et ça devient très sympa. Bon, après, c'est comme une vraie pizza. Vous la faites comme vous l'aimez, en fait. Vous en mettez la quantité que vous aimez, de la façon que vous aimez. Moi, je sais que je mets du temps parce que j'aime pas trop les rebords. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de la pâte sans rien dessus. Surtout que là, elle est un peu épaisse. Souvent, je la fais plus fine. Mais bon, là, c'était une pâte vite fait. J'avais décidé de vous faire une pizza et j'ai eu des contretemps. Mais je suis restée avec mon idée. Je me suis dit, je vais arriver à la faire. Bien, quand j'ai prévu de vous proposer quelque chose, pouvoir le réaliser. Alors, on trouve des stratégies, c'est comme dans la cuisine, on s'arrange. Après, quand vous aurez l'habitude de cuisiner, vous aurez plein de petits trucs comme ça. Ils sont super bons, la sauce. Voyez, après, c'est toujours une histoire d'homogénéisation. En fait, dans la cuisine, ce qu'il faut apprendre, c'est faire les bonnes textures. Donc, on a des trucs pour la sauce tomate. Bah, c'est les tomates séchées, par exemple. Donc ça, c'est important. Quand vous avez bien compris comment ça marche, la chimie de la cuisine, l'alchimie de la cuisine. Et ben après, vous êtes libre parce que vous pouvez tout créer sans l'aide de personne. Moi, j'ai inventé des recettes que j'ai vues nulle part, simplement parce que j'avais l'habitude de les cuisiner, ces recettes, et qu'en cogitant, en me disant, tiens, ça marche quand on fait ça, je vais essayer avec ça, machin. Et en fait, effectivement, ça fonctionne. J'ai fait notamment un entremets trois chocolats. Il est top. J'avais jamais vu ailleurs. Comment faire du chocolat blanc en cuisine. Là, j'ai fait un chocolat blanc plus blanc que le chocolat blanc, quoi. Donc, et c'est vraiment super. Et c'est super, super intéressant au niveau nutritionnel parce que se faire plaisir et faire plaisir aux enfants, c'est essentiel. Mais quand on peut le faire avec des choses saines, ça devient un vrai bonheur parce que là, il n'y a aucune culpabilité. On ne fait pas de mal à nos gosses. Hop, et c'est top. Bon, j'aurais jamais mis autant de sauce tomate. Elle sera très différente des autres, mais tant pis. Je suis sûre qu'elle sera très bonne. Vu que j'ai rajouté des tomates, en fait, ça rajoute de la matière. Vous avez juste la proportion idéale pour faire une pizza comme ça, de la grandeur d'une plaque de déshydrateur et la bonne quantité de tomates et de crème. Pareil, la crème risque d'y en avoir un peu plus. Bon. Hop, tiens, je vais peut-être essayer la poche à douille. Est-ce que j'y mets tout? Ce sera une très généreuse. Petites palettes, là, vous les trouvez en magasin de cuisine, hein. Accessoires de cuisine. Donc, soit matériel pro, soit. Comme Alice Délice, par exemple. C'est quasi indispensable dès l'instant où vous faites des pâtes à déshydrater. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à les faire régulièrement. C'est pas régulier, le résultat ne sera pas bien. Donc, l'investissement n'est pas très important. Ça ne coûte pas très cher et vous allez voir, ça va devenir votre meilleur ami. Hop! Voilà. Donc, la pâte et la tomate, c'est fait. Alors, moi j'ai un petit nounou qui n'aime pas les champignons. Donc, on va faire, hop, on va faire deux, trois quarts avec des champignons et un quart sans. Donc, ces champignons, je redis, ils ont été marinés dans le tamari à l'ail. Et déshydratés, mais pas complètement. Il faut qu'ils soient comme des champignons cuits. Hein. On voit bien, hein, ils ressemblent vraiment, on dirait vraiment qu'ils sont cuits. Hein. Mais ils ne le sont pas. Donc, hop.
Ceux qui ont goûté une pizza crue, ils sont bluffés, quoi. Parce qu'on jurerait une pizza cuite. Mais sauf qu'au lieu de passer à 240 au feu, au four à bois ou je ne sais quelle mode de cuisson, même un four traditionnel, moi je les faisais à 240 dans un four à chaleur tournante, les pizzas classiques cuites. Vous vous rendez compte alors déjà que le gluten et compagnie, c'est une catastrophe pour les mucosités. Mais alors là, quand vous ajoutez le feu de la cuisson, là, c'est vraiment l'enfer. Donc, ça cumule un petit peu. La cuisine italienne est délicieuse, mais elle a beaucoup d'inconvénients pour la santé, parce qu'il y a énormément de gluten, beaucoup de fromage, des cuissons qui sont très importantes. Hop, prochainement, on fera un risotto sans riz et sans fromage. Et oui, c'est possible. Et c'est délicieux. Voilà. Donc, ça, c'était nos champignons. Après, on met nos petits oignons. Donc là, on va en mettre partout. Hop. Un peu plus ici, parce que vu qu'il n'y a pas de champignons, on va être un peu plus généreux. Ça, c'est la part de mon Léandre. Hop. Ça, c'est top aussi, hein. Des oignons comme ça. J'ai une recette aussi, j'espère que je pourrai vous la mettre également, de tarte à l'oignon, avec des oignons comme ça, déshydratés, qui est somptueuse. On les fait mariner. Alors, ce n'est pas dans le tamari, dans ma recette, mais on les fait aussi mariner et déshydrater, et c'est extra. Hop. Voilà. Après, on met nos petits poivrons. Les oranges, c'est mes préférés. Bon, là, c'est les classiques, mais quand je fais des jus, j'utilise beaucoup ceux qui sont plus fins, qui ressemblent à des piments. Hop, mais orange parce que c'est les plus sucrés. Après, les jaunes sont sympas aussi. Voilà, ça on mettra à la fin. Et puis on va mettre notre crème. Donc, est-ce que je le fais à la douille? Ouais, ça pourrait être sympa. Bon, je ne suis pas très douée à la douille, mais je vais apprendre avec vous. Hop. Alors, déjà, il faut que je trouve. J'y avais pas pensé avant, donc je ne l'ai pas préparé. Je m'en excuse. J'avoue que ça ne m'a pas traversé. Bon, j'en ai deux. On va voir celle où on trouve les accessoires en premier. Là, ça sent bon les accessoires. Est-ce que j'ai tout? Alors, je pense que c'est ça qu'il me faut. Ou ça, je ne sais pas. On va essayer. J'ai déjà utilisé, mais j'avoue pas très souvent. Alors, comment ça pourrait être sympa? Tiens, moi j'aime bien celle-là. Alors, si on a qui ont l'habitude de s'en servir, vous allez rigoler, hein, parce que là, moi, c'est pas du tout le cas. Hein. Est-ce que c'est ça ou ça peut-être? Non. Voyons, voyons. Si je mets ça au fond. Ça a l'air pas mal, ça. Yes. Alors, après, il faut mettre la crème à l'intérieur. Comment tout ça.
Tiens, viens voir Serge, je vais t'embaucher. Est-ce que tu peux me tenir comme ça? Tu tiens bien, voilà, la partie basse. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, demain, on y est encore. Donc, vous mettez bien l'intégralité de la crème. Après, vous verrez ce que vous utilisez. Mais... Bon, après, c'est sûr que les noix de cajou crues, tu peux mettre un peu plus bas, s'il te plaît. Je ne vais pas mettre 90. Les noix de cajou crues sont chères, donc on n'a pas envie de gaspiller la crème, très clairement. Allez, c'est délicieux, mais comme toutes les bonnes choses, il faut respecter. Alors, voyons ce qu'on arrive à faire. Ah, c'est pas mal. Chercher la crème. Bon, elles sont pas mal. C'est mignon tout plein. On va faire des petits pour finir. C'est bon? Bon, déjà ça plaît. Ah. Bon. Voilà, j'aurais dû m'abstenir là. On va rattraper. Là. Donc je vais vraiment chercher le bout de ma crème. Voilà. Ouais, sympa, ma petite pizza. Bon, c'est original, hein, ça change. Après, vous pouvez faire beaucoup plus classique avec la crème. Mais là, moi, il faut que je séduise des enfants. Donc, il faut que ce soit joli. Toc. Voilà. Donc, ça, ce sont des noix de... n'importe quoi. Des olives noires au naturel. J'ai simplement enlevé la peau. La gale, n'importe quoi. Je crois que je vous aurais dit toutes les conneries du monde ce soir. J'ai simplement enlevé le noyau. Et là, hop, elles sont top. Alors souvent, je fais du caviar d'olive. Là, je l'ai laissé chez ma mère. J'ai oublié de vous l'amener. Alors en fait, c'est simple. Je vais vous dire comment le faire. Vous prenez ces olives, vous les passez au déshydrateur. Quand elles sont bien sèches, vous les mixez au blender et ça vous fait une poudre qui est géniale. Vous pouvez saupoudrer dessus, très condensée, très forte. Hein, donc, ça a énormément de goût, c'est sympa comme tout. Et puis, vous pouvez éventuellement rajouter du parmesan. Donc, le parmesan, je vous en ai déjà parlé, c'est très simple. C'est même proportion graines de. J'y arrive pas. Peut-être qu'en les voyant, ça va revenir. Ah, comment ça s'appelle? De graines de tournesol. Voilà. Donc, vous mettez par exemple une cup de graines de tournesol, une cup de levure maltée. Vous passez au blender, vous avez une poudre, vous pouvez rajouter de la noix de muscade dedans, c'est délicieux. Et vous avez un parmesan végétal qui est divin. Donc, la petite touche véro, c'est la noix de singe, la noix de muscade. Voilà, après, traditionnellement, les autres le font sans la noix de muscade, mais moi je trouve que c'est bon. Vous pouvez le saler également, hein, donc c'est sympa aussi.
Donc voilà, bon, ça a été laborieux pour cette recette. Un blender et beaucoup de bêtises à vous raconter. Mais résultat, bah, c'est plutôt sympa et vous verrez si vous la faites, vous allez vous régaler. À très bientôt sur CruLife et on se retrouve la semaine prochaine.